Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 11 juin sur l'hippodrome de Compiègne. Comme toujours, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce mardi du côté de Nantes. Angelo Dream, le numéro 3, remporte le Grand Prix Synergie de très plaisante manière. Top Prono donne le tiercé dans le désordre de 211,10 € ainsi que le quartet plus dans le désordre de 238,29 €. Du côté du concours de pronos gratuits, soulignons l'extraordinaire performance de Duvaufrane qui donne le tiercé quarté quinté plus dans le désordre et marque 561 points au classement général. Django 42 et Dolpic 1966 s'octroient les deux autres places du podium grâce à un joli quarté dans le désordre accompagné des bonnes bases. Bravo à tous les trois. Allez, abordons maintenant le tiercé quarté quinté plus du jeudi 11 juin 2020. Le prix de l'île de la Cité, cinquième course de la Réunion 1, se disputera sur l'hippodrome de Compiègne. Sur le parcours des 2000 mètres, ce sont 16 éléments galopeurs âgés de 5 ans et plus qui se regarderont dans le blanc des yeux lors de cette première épreuve de handicap. Une fois encore, la lutte promet d'être terrible et les rapports très importants. I Dream, le numéro 1, sera notre favori du jour. L'autre jour, il a terminé à la vitesse du vent pour s'octroyer la première place d'un quintet plus du même style. Pénalisé au poids logiquement, il peut doubler la mise avec l'aide de Pierre Chalboudeau. Air to Outrun, le numéro 15, est d'une folle régularité. Donnant toujours son maximum et ayant un très joli rush final, il n'est pas incapable de mettre tout le monde à la raison dans cette compétition. Ego Dancer, le numéro 7, est une femelle de 5 ans de grande qualité également. Avec l'aide de Stéphane Pasquier, si elle se sort au moment opportun, elle va faire le show dans la phase finale car elle a un très beau rush final. Villaro, le numéro 4, est proche de renouer avec la victoire à ce niveau de la compétition. Si Christian Demuro, son jockey italien, se sort de numéro 16 dans les stalles de départ, il est en mesure de remporter ce quintet plus. Electron Libre, le numéro 3, mis au point par FX Belvisi, est en mesure de terminer à l'une des 5 premières places. Mon Argent, le numéro 8, a beaucoup de qualité et peut réaliser un joli exploit avec l'aide de Michael Barzalona. Enfin, si non partant il venait à y avoir, Tabula Rasa, le numéro 6, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.